Larry Kramer, quand il écrit cette pièce, donc toujours en 1984, il est vraiment persuadé que les homos ne survivront pas au sida et que les États vont les laisser mourir. Donc il écrit cette pièce de façon testimoniale en disant, voilà, si quelqu'un s'intéresse à notre cause en creux, hein, c'est ça, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ben voilà ce que nous, on aura vécu. On aura vécu ça et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et après 85, quand la pièce est à Broadway, il invente un truc donc, que le monde entier connaît qui s'appelle ACT UP. Et ACT UP a quand même changé la façon de faire du militantisme absolument partout sur la planète. Il n'y a plus un seul militant aujourd'hui qui fait une action sans penser presse, photo, Instagram, réseaux sociaux. Ben ça, c'est Larry Kramer. On va faire ça de façon extrêmement simple. Les acteurs vont être sur scène. Il y a des éléments qui vont les soutenir dans leur jeu, les aider dans leur jeu. Mais l'idée, c'est que vous vous asseyez dans la salle, on vous prend par la main et on vous relâche une heure et demie plus tard, normalement bouleversé.